Tout de suite sur Ciné-Cinéma Frisson, un film d'action Orca. Sie werden sterben. Das ist okay. In ihrem Kopf befindet sich ein Geschwür, das ist nicht ganz so groß wie meine Faust, aber größer als ein Gott. La vie, la mort. Erinnerst du dich noch an Mama Edgar? Edgar! L'amour, la haine. Das Schöne an den 90ern ist, dass man jetzt überhaupt keine Probleme mehr mit Sex hat. Willst du mich nicht fragen, warum ich meine Pflegefamilie vergiftet habe? Du bist doch der Skrupelloseste. Sexy Sadie, ou les dernières volontés d'un tueur psychopathe. Mercredi soir, sur Ciné-Cinéma Frisson. Anys porto aquí. I d'aquesta taquilla no me'n mouré fins que em jubili. Quan tingui un moment, m'agradaria parlar amb vostè. Anita travaille depuis toujours comme guichetière dans un cinéma de quartier. Son patron lui offre 15 jours de vacances et en profite pour revendre le cinéma qui sera détruit et transformé en multiplex. À son retour, désemparée, Anita va se rendre tous les jours sur le chantier du nouveau ciné à la recherche d'une nouvelle vie. Une comédie à l'italienne, mise en scène par le catalan Ventura Pons, qui rend hommage aux femmes et au cinéma et qui permet surtout d'apprécier l'immense talent de Rosa Maria Sardà. Mirate, Anita. Que les obligue à réadmettre. Y que acabe de señora de los lavabos, ¿no? Qué asco me da lo perverillo. Se habla. Le film parle de ces retraités et pré-retraités qui sont toujours capables et qui peuvent toujours beaucoup donner à la communauté, mais qu'on retire du système parce qu'on considère qu'ils sont devenus inutiles. Vous savez, une femme de 50 ans, elle n'existe plus dans la société. Aussi, quand Anita rencontre Antonio, plus que de vivre une relation amoureuse ou sexuelle avec lui, elle va se rendre compte qu'elle est une personne à part entière et à partir de là, elle saura lutter pour elle-même. Et oui, la vie recommence à 50 ans et dans l'unique bras d'une pelleteuse, quel bonheur! Et vous retrouverez Rosa Maria Sardà dans une autre comédie espagnole fin novembre. Ma mère préfère les femmes, surtout les jeunes. Tout un programme. Soc l'amant de l'Antoni. Amant és un concepte clàssic però ben definit i bonic. Un dels personatges més importants de les pel·lícules. Ce soir sur Auteur, des ados zinzins dans une comédie zéniale de Pascal Thomas. Sur Succès, un casting hors pair pour un thriller éblouissant d'Alain Corneau. Enfin sur Classique, dans un futur apocalyptique, des êtres mutants jouent les aliens juste pour nous faire peur. Ce soir sur Ciné-Cinéma Auteur, Les Ozos. Sur Ciné-Cinéma Succès, Le Choix des Armes. Et sur Ciné-Cinéma Classique, Brian the Time Buyer. Eh ben c'est pas mon jour de chance. J'arrive à rien faire. Incroyable, j'ai jamais vu ça, je comprends pas. Ah, les bons vieux filets du New Jersey, hein? Tu veux que je t'aide? Non, non, reste où tu es, équilibre la barque. Je croyais que tu t'y connaissais bien, tu disais que tu le faisais déjà quand t'étais petit. Quand j'étais petit, on faisait nos filets tout seul. Et on les faisait très bien. Aïe! Ah, tu t'es fait mordre? Papa! Bouge pas! Papa! Vous rêvez d'un week-end calme pour aller à la pêche? Vous allez changer d'avis. À tous ceux qui n'auront pas eu peur en regardant dimanche soir Piranha de Scott Levy, Ciné-Cinéma Frisson offre deux poissons rouges. Ce soir sur Premier, Harvey Keitel et Willem Dafoe dans un drame religieux et provoquant de Martin Scorsese. Sur Émotion, une histoire d'amour absolue avec Robin Wright, Sean Penn et John Travolta. Enfin sur Frisson, Claude Brasseur, Nathalie Baye dans un polar déroutant de Jean-Luc Godard. On récapitule ce soir sur Ciné-Cinéma Premier, La Dernière Tentation du Christ, sur Ciné-Cinéma Émotion chez So Lovely et sur Ciné-Cinéma Frisson Détective. Orca, dans l'Antiquité, était l'appellation utilisée pour qualifier celui qui apporte la mort. C'est aussi aujourd'hui le titre du premier film diffusé dans le cadre du cycle Monstres aquatiques.
Les polars, plus connus sous le nom d'orque, est le mammifère le plus rapide et le plus puissant qui existe à la surface du globe. Il peut être très amical, comme il peut devenir le pire cauchemar de celui qui s'attaque à sa famille. Et j'aime autant vous prévenir qu'il a un instinct de vengeance très prononcé. Le capitaine Nolan, alias Richard Harris, aurait dû prendre au sérieux les mises en garde d'une charmante océanographe, incarnée par Charlotte Rampling, avant de capturer et tuer une maman orque sous l'œil désespéré du papa. Ce dernier n'est pas prêt d'oublier et est déterminé à venger sa famille. Rythmé par une bande-son signée Ennio Morricone, le combat peut commencer. Qui, de l'homme ou de l'animal, aura le dernier mot? Qui sortira vainqueur de ce duel? Réponse dans un instant en regardant Orca. Hey,